Danilo, que penser après un match comme ça? Se dire qu'il y a quelques regrets parce que vous aviez des coups à jouer en première période ou que sur l'ensemble des deux matchs, le Bayern était quand même plus fort? Oui, malheureusement, on doit dire que Bayern était plus fort que nous. On a vu des occasions en première mi-temps. On n'a pas fait. Quand on est comme ça en Ligue Champions, c'est difficile. Après, des erreurs qu'on a fait et bah, c'est dur de sortir comme ça, mais c'est la Champions League. Hein. Qu'est-ce qui a fait la différence? En quoi le Bayern a été meilleur que vous, et à Paris, et ce soir? Je pense que c'est une équipe très physique, qui gagne beaucoup de duels. Aujourd'hui, on n'a pas gagné beaucoup de duels. Ça, quand on est comme ça, c'est difficile, mais j'ai pas de mots. Danilo, vous êtes à Paris maintenant depuis plusieurs saisons. Vous sentez que cette équipe progresse ou pas vraiment? Ouais, pour progresser, on doit être tous ensemble. On doit faire des choses ensemble, pas individuellement. Mais je pense qu'on doit continuer comme ça, à progresser. Parce que Paris, c'est grand. On doit être fiers de nous-mêmes. Parce que on est de grands joueurs ici. Que doit travailler ensemble pour grandir. Merci beaucoup. C'était leur petite chance là, en première mi-temps. Oui, il y a eu quand même quelques opportunités en première mi-temps et notamment cette occasion avec Vitinha sur l'erreur du gardien. Elle n'a pas été saisie et puis on a senti surtout qu'en deuxième mi-temps, le Bayern avait activé le rouleau compresseur. Ils ont dominé. On a parlé des rapports de force en avant-match, le milieu de terrain. Les couloirs, pour moi, les rapports de force ont été perdus partout, et le plan Kylian Mbappé a plutôt bien fonctionné parce que je trouve qu'on l'a pas du tout vu. Chapeau à Upamecano qui a été monstrueux ce soir. On va analyser ce match, bien sûr. Constater dans un premier temps que ça fait deux fois de suite que Paris s'arrête en huitième de finale. Oui, c'est un échec de plus. Une histoire qui se répète avec une nouvelle sortie prématurée pour le Paris Saint-Germain. Sur les sept dernières saisons en Ligue des Champions, c'est la cinquième fois que le Paris Saint-Germain s'arrête en huitième de finale. Il y avait eu une finale en 2020, une demi-finale en 2021. Mais là, Paris retrouve ce plafond de verre des huitièmes de finale avec le Real l'année dernière et le Bayern cette saison. Plafond de verre ou pas? Non, mais sur la double confrontation, l'élimination est méritée. Il y avait un motif d'espoir en première mi-temps parce qu'ils ont eu des occasions, ils avaient une meilleure mentalité, ils ont été plus agressifs, ils ont pressé beaucoup plus haut. En deuxième période, pour moi, ça a été une photocopie du match aller. Ils ont malheureusement rien proposé. Et des erreurs individuelles encore, comme chaque saison, coûte la qualification au Paris Saint-Germain. Parce que le premier but, j'adore le joueur Marco Verratti, mais il ne peut pas perdre un ballon comme ça. Et il ne peut pas. On va. Droit. Ouais, David. Moi, je suis dégoûté. Je suis dégoûté parce que je pense que je ne suis pas d'accord sur le fond, je ne suis pas d'accord sur la forme. On finit un match comme ça avec des déceptions qui sont dues à des manques d'engagement clairs, des manques d'investissement clairs. Il y a une véritable problématique depuis des années et on en parle sur ces éliminations en huitième, en quart. Il y a un véritable problème. Il y a des joueurs dans cette équipe. Je vais pas tirer sur l'ambulance parce que c'est bateau, mais je me demande au niveau de politique de recrutement comment on peut mettre en place un projet pour gagner la Ligue des Champions et avoir si peu de profondeur de banc par rapport à un Bayern. On en parlait quand on voit le Bayern de Munich, les joueurs qui sont rentrés, Sané, Mané, Gnabry, on a quand même le Paris Saint-Germain. Comment on est quand même capable aujourd'hui, si on prétend gagner la Ligue des Champions, être à la hauteur de ses ambitions. Être à la hauteur de ses ambitions, c'est faire en sorte que dans le recrutement, on prenne des joueurs qui soient à la hauteur. Au milieu de terrain aujourd'hui, Vitinha n'est pas du tout à la hauteur de l'événement. C'est pas possible. On parlait de Messi avant le match. Est-ce qu'il va partir? Est-ce qu'il va pas partir? Si on veut que le Paris Saint-Germain gagne la Champions League un jour, il faut des joueurs qui s'investissent beaucoup plus dans le club. Et le club est plus important que les joueurs. On parle pas de talent, là. On parle d'une équipe. Construire une équipe. Pas avoir des talents, Neymar, Messi, Mbappé, c'est tout le monde à l'unisson pour le club, pour le Paris Saint-Germain. Parce que le Paris Saint-Germain, c'est le plus important. On s'en fout des joueurs.